Saviez-vous qu'en cas d'urgence, une petite éolienne pouvait sortir d'un avion pour générer juste suffisamment d'énergie pour alimenter les systèmes vitaux de l'appareil? Bien que cela puisse paraître un peu étrange, c'est pourtant la réalité, et ce dispositif que l'on appelle RAT pour Ram Air Turbine a déjà été utilisé à plusieurs reprises, notamment lors de l'amérissage sur l'Hudson River du vol US Airways 1549. Comme nous le savons grâce aux précédentes vidéos, les avions génèrent leur énergie et alimentent leur système hydraulique grâce au moteur. Si ces derniers venaient à tomber en panne, un groupe auxiliaire de puissance appelé APU prendrait alors le relais, mais si l'APU tombe lui aussi en panne, Alors la RAT est déployée. La RAT est reliée directement à une pompe hydraulique qui permet d'alimenter le système bleu et ainsi de contrôler les surfaces de contrôle de l'avion. Une partie de la pression hydraulique est redirigée vers un générateur qui fournit juste assez d'énergie électrique pour alimenter les instruments de bord essentiels à la navigation et à la télécommunication.